Voilà, c'est parti. Bonjour, bonjour, nous sommes en présence de monsieur Tonelli. Donc vous êtes le président de la fondation, comme vous disiez. Je suis le président de la fondation Julie Tonelli pour l'enfance. Allez-y, hein, vous pouvez... Mais je sais. Ah, vous voulez lui faire la bise. C'est le meilleur au volant, mais dans le cœur aussi. Il m'a dit qu'il était quatrième. Mais ça fait rien, les trois premiers, ils vont être disqualifiés. Donc je suis le président de la fondation Julie Tonelli pour l'enfance, qui porte le nom de ma fille Julie, qui était pilote de karting, qui s'est tuée en 2002. Donc j'ai fait cette fondation parce que je n'ai jamais accepté de perdre ma fille. Et donc j'ai trouvé avec la quasi-totalité des pilotes de kart au niveau européen portent les couleurs de Julie, qui est un petit papillon rose. Donc la quasi-totalité des pilotes de kart, au niveau Europe, portent le petit papillon de Julie tous les week-ends sur les circuits dans toute l'Europe et même dans le monde, parce qu'au Japon il y a des papillons Julie. Et au niveau du sport auto, bien sûr, tout le sport auto français porte les papillons de Julie. Je suis pilote de GT moi-même et donc je côtoie sur les circuits français, puisque je fais le GT Tour, je côtoie tous les pilotes de GT et tous ont le papillon de Julie. Et donc de cette façon-là, on fait la promotion de la fondation, qui est une fondation qui a la particularité de ne pas recevoir de dons, justement pour ne pas mêler l'argent au cœur. Et donc on aide des associations pour les enfants, mais avec l'argent de mon épouse et moi, on a un budget qui est peut-être pas très très important pour une fondation. On est sous égide de la Fondation de France, on a un budget de 50 000 euros par an et on n'accepte pas de dons. Et l'argent est donné à des associations que l'on choisit. Vous me disiez que vous êtes pilote vous-même. Je suis pilote de GT, oui. Tout à l'heure, vous êtes là, en fait, c'est pour le GT Tour du Castellet, mais là, je suis blessé, donc je ne peux pas faire le match de foot ce soir, ni ce week-end au Castellet. Mais bon, donc j'ai couru toute l'année avec trois victoires. On était très bien placé au championnat, mais malheureusement, bon, j'ai pas pu continuer. Écoutez, là, on attend le match avec les célébrités. Là, on a quelques grands champions qui sont avec nous. Voilà, qui sont mes amis d'ailleurs. Qui sont vos amis? Vous êtes tous des amis proches? Bien sûr, tous les pilotes de GT, Olivier, Fabien Martès. Fabien Martès est un ami personnel. Et donc, c'est vraiment un ami. Vous êtes d'Aix-en-Provence? Je suis d'Aix, oui, mais donc Fabien, je l'ai connu au tout début quand il est arrivé en sport auto. Et on a roulé dans la même team, on est vraiment amis tous les deux. Et j'espère que l'année prochaine, on roulera à nouveau dans la même team. D'accord, mais écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Tonelli. Merci à vous. Merci pour votre gentillesse. Merci à vous. Merci. Avec un ballon, c'est la main.
micro. Ah!
Allez. Quand on va lever les... Ah ouais, faut enlever ça. Olivier, on va lever les blousons. C'est Jean-Paul qui l'a fait, je crois. Les... Je vais le donner à... Ouais. C'est Jean-Paul qui a fait. Ouais. Je vais le donner à ma femme. Fabien Barthez pour vous ce soir. Ouais. Non, mais encore là. Hein. Non, on va dire c'est déjà sympa parce que pour une fois c'est moi qui suis dans mon élément par rapport à vous. Donc je suis avec vous sur le circuit et donc je suis le mouvement là, c'est ce qui allait me suivre. Et donc ça va être sympa, bon, surtout vraiment pour Gérard et je suis pour notre GG national. Voilà, c'est sympa que tout le monde est présent. On va essayer d'amplifier l'événement. Alors tu t'es fait malmener hein, sur certains circuits, sur le trophée Andros, avec des concurrents qui t'ont un peu poussé. Est-ce que tu comptes te venger ce soir? Bon, ce soir, non, la vache, c'est très bien que c'est pas trop mon truc. Non, c'était une boutade. Merci.